salut à tous, c'est Eric Le Gauthier Galago Music. Aujourd'hui pour vous, une manière d'accompagner le morceau Isn't She Lovely, un titre de Stevie Wonder paru en 1976 sur l'album Songs in the Key of Life. Un bien joli titre qui traduit donne « Chanson dans la tonalité de la vie ». Et oui, car pour la petite anecdote, Stevie Wonder a écrit ce morceau pour la naissance de sa fille Aisha. Bah oui, il y a des choses qui rendent heureux comme ça dans la vie, alors évidemment, faut marquer le coup quoi. Alors pour vous faciliter, aujourd'hui je vais intégrer la tablature en même temps que mes explications. Donc c'est la première fois vraiment que je tente le coup. Alors vous me direz dans les commentaires vraiment si le système vous plaît, voilà. Allez go, on attaque. Alors afin de ne pas surcharger la vidéo, je vais vous donner tout de suite l'ensemble des accords qui vont être utilisés. Ce sont des accords hyper jazzy, donc peut-être vous les connaissez pas. Du coup, ce sera une bonne occasion de vous y mettre. Allez, je vous affiche ça avec une petite musique militaire. C'est juste parce que je trouve ça marrant. Rah ! Donc deux parties dans ce morceau, partie A et partie B. Dans la partie A, on aura besoin des accords suivants. Do dièse mineur 9. Voilà. Après Fa dièse 7, 13. Oui, ils ont tous des noms tout à fait dégueux comme ça. Voilà. Ensuite, Si, 7, 11, seconde suspendue. Tac, 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 tac. Voilà. Et on termine par un Mi majeur 7, Ad 9. Comme ceci. Alors, pour commencer le A, vous vous placez sur le Do dièse mineur 9. À la main droite, on va disposer les doigts sur les cordes de La, Ré, Sol, Si. D'accord ? Alors, je me décale un petit peu comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et la première mesure va nous servir de canevas pour l'ensemble de l'accompagnement. Donc, dans le détail, ça doit donner... Voilà. Donc, sur le premier temps, je tape les quatre cordes, ma main s'éloigne un petit peu, parce que sur le deuxième temps, je vais faire une percussion. Donc, le top du top, c'est si les doigts de la main droite peuvent retomber exactement au même endroit. Voilà, donc tout l'aspect percussif de ce morceau est basé sur cette technique-là. Donc la main gauche, vous pouvez la laisser enfoncer tout le temps. Quand vous avez gratté, vous retombez, hop, au même endroit. Et normalement, la percussion, elle s'opère directement. Alors, faut juste oser y aller, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas se reposer comme ça, parce que sinon, bah, y a rien. On veut vraiment... Donc bosser ça en boucle au début. Dès que vous arrivez à faire cette percussion, eh ben vous êtes paré pour faire la suite, qui va donner ceci. 1, 2, et 3, et 4. Voilà. 1, percussion, pouce, doigt, doigt, percussion. Ouais. Au niveau des rythmes, on va avoir une noire ici, et ensuite 6 croches d'affilée. Ces croches seront jouées shuffle, donc elles vont se dandiner un petit peu. J'aime bien expliquer le shuffle en utilisant le mot dandiner. Si c'était pas shuffle, ça donnerait... Vous voyez, c'est tout droit, tout carré. 1, 2, et 3, et 4. Là, c'est 1, 2, et 3, et 4. 1, 2, et 3, et 4. Une fois que vous êtes arrivé ici, à la main gauche, on va se diriger vers le Fa dièse 7, 13. Et on va jouer sur le dernier temps de la première mesure, de manière anticipée, le Fa dièse de cet accord, la basse. Donc je vous fais toute la première mesure. 1, 2, et 3, et 4. Et, d'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous êtes peinard, vous n'avez plus qu'à placer l'accord de Fa dièse 7 machin. Et on va faire les trois doigts, 1, 2, et 3, et 4. Encore cette deuxième mesure, 1, 2, et 3, et 4. Je vous fais les deux premières mesures, 1, 2, et 3, et 4. Et 1, 2, et 3, et 4. Cool ! Dès que vous avez fait ça, vous allez vous diriger sur le 6, 7, 11, seconde suspendue. Celui-ci qui sonne trop bien. Et là, c'est le même principe. À la fin de la deuxième mesure, en fait, on anticipera cette basse. Comme ça, sur le premier temps de la troisième mesure, on refera pareil que ce qu'on vient de jouer, c'est-à-dire 1, 2, et 3, et 4. D'accord ? Troisième mesure, 1, 2, et 3, et 4. Je vous fais les trois premières mesures. 1, 2, et 3, et 4. Et 1, 2, et 3, et 4. Et 1, et 3, et 4. Rendu ici, on va attaquer la dernière mesure du A. On va se positionner sur le Mi majeur 7 à 9. Et on va faire pareil que tout à l'heure. La basse sera jouée sur le dernier contretemps de la troisième mesure. Et le premier temps de la quatrième mesure commence sur index majeur et annulaire. C'est-à-dire 1, 2, et 3, et 4. Ouais. 1, 2, et 3, et 4. Je vous refais tout ça et j'affiche la tablature en dessous. Alors le tempo du morceau est assez vif, hein, c'est à 120. Moi, je vais le mettre au métronome à 70. Donc, 3, 4.
Voilà. Ce que vous pouvez faire sur le dernier temps de cette quatrième mesure, c'est rajouter une petite descente de basse. Ça, c'est pas obligé, mais c'est vrai que ça habille bien. Cette descente permettrait justement de revenir sur le deuxième A, puisqu'on a deux A d'affilée. Alors, je vous fais la quatrième mesure du A et je reprends la première mesure du A suivant. 1, 2 et 3 et 4. Ouais, c'est joli, hein? Donc, 1, 2 et 3 et 4. Là, je vais déplacer l'annulaire à la sixième case de la corde de La, après majeur en cinquième case de la corde de La, et le majeur, vous le gardez, parce qu'après, il faut se placer vraiment rapidos sur le Do dièse mineur 9. Donc, 1, 2, et 3, et 4, et 1, voilà. 1, 2, et 3, et 4. Yes. 3, 4. 1, 2, et 3, et 4. Hop. Bim. Je retombe sur un A normal. À la fin duquel, je ne rejouerai pas le triolet. Voilà! Pas facile d'expliquer et de jouer en même temps, hein? Pour la partie B, on va avoir besoin à la main gauche du La majeur 7, qui va se placer comme ça. Après du Sol dièse 7, dièse 5, qui va ressembler à ça. Et après, c'est trop cool parce qu'on retrouve le Do dièse mineur 9. Après le Fa dièse 7, 13. Ensuite, celui qui a un nom à coucher dehors, là. 6, 7, 11, sus 2. Et le tout dernier accord, qui précédera l'arrivée du petit riff de fin, va ressembler à ça. C'est un mi majeur, qui a une sale tronche, c'est vrai. Donc vous barrez tout à la quatrième case avec l'index, et avec les doigts restants, vous essayez de reformuler une position de Do majeur. Donc le petit doigt sera en 7 du La, l'annulaire en 6 du Ré, et le majeur en 5 du Si. Mi majeur. Alors, les deux premières mesures de la partie B, vous gardez exactement le même principe d'accompagnement. 3, 4. 1, 2, et 3, et 4. Et 1, 2, et 3, et 4. Tic, tic. Là, je vais rajouter un petit triolet. Pareil, c'est pas obligé. Mais ce petit triolet finit à la troisième case pour ensuite, hop, en reglissant le majeur, redisposer l'accord de Do dièse 9 et aller vers la sortie du B. Alors, encore les deux premières mesures plus le premier temps de la troisième mesure. 3, 4. 1, 2, et 3, et 4. Et 1, 2, et 3, et 4. Et 1. Cool! À la fin de la troisième mesure, je vous ai remis une petite descente en triolet qui nous permettra d'aller vers le Fa dièse 7, 13. Ça donnerait 1, 2, et 3, et 4. Et. Vous voyez, j'ai fait 4 du gros mi, 3 du gros mi. Et puis, sur le temps suivant, bim, j'atterrirai là-dessus. Rendu là, vous feriez comme dans la partie A, c'est-à-dire 1, 2, et 3, et 4. On se déplace vers le 6, 7, 11, machin truc, et cette mesure-là, on la ferait deux fois de suite. 1, 2, et 3, et 4. Et 1, 2, et 3, et 4. Et on terminerait par cet accord-là. Voilà, qu'on va piquer. Alors, je vous refais toute la partie B, et je vous affiche la tablature en dessous. Tempo, toujours à 70, à la noire. 3, 4, 1, 2, et 3, et 4, et 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 1, 2, et 3, et 4. Voilà. Alors, pour terminer, le petit riff sympa, dès que vous avez fait ce mi comme ça, on va faire ça. Oh, c'est stylé. J'ai mis l'annulaire à la septième case du gros mi. Je slide en 9. Ensuite, index en 7 de la corde de La. Hammer-on en 9. Toujours la même corde. Ensuite, 6 de la corde de Ré. Après 9 du Ré. Dès que vous êtes rendu en 9, on va slider deux cases à droite pour aller en 11 du Ré. On jouera ensuite deux fois la neuvième case, corde de Sol. Et pour vraiment terminer ce B, vous rajoutez le petit doigt en 12 du petit mi et vous grattez la corde de sol et le petit mi ensemble. Et vous ferez un petit slide descendant comme ça. 1, 2.
Alors je vous refais l'accord de mi qui précède. 1, 2, 3, 4, 1. Yeah. Alors pour terminer, je vous rejoue tout depuis le début. Tempo toujours à 70, à la noire. 3, 4. Donc avec tout ça, normalement, vous savez vous accompagner sur ce morceau. Donc je le redis, c'est juste une manière de faire. On aurait pu choisir d'autres accords, peut-être moins enrichis. Mais là, je voulais un truc qui claque un petit peu. Voilà, donc si le principe d'afficher les tablatures vous plaît, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Puis autrement, comme d'hab, vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche. Vous recevez une notification qui vous dit « Ah, Galagro, machin, il a sorti une nouvelle vidéo !» Pour ne plus rien rater des aventures de Galagro. Et puis j'en parle pas assez, mais sur mon site, si vous le souhaitez, il y a un onglet qui s'appelle « Cours via Skype ». Donc si jamais vous avez des questions sur un morceau, sur une technique, si vous avez des doutes sur les bonnes ou mauvaises habitudes que vous avez prises, bah, je serais ravi de voir ça avec vous pendant une leçon d'une heure. Voilà, je vous laisse voir le détail sur la page, vous cliquez là-haut, ou bien j'ai mis le lien du site dans la boîte de description YouTube. Ah. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour ne pas changer dans un prochain tuto. Ciao !